quelqu'un de la maison qui revient, hein, après un passage dans le nord de l'Afrique, du côté du Maroc. Et quand il est revenu, on voit le 4-3-3 bien en place. Et là, c'est le retour de Gilles Privat. Et là, Opoku qui va barrer le chemin au jeune Samaké. Opoku, solide défenseur, qui a été l'une des grosses satisfactions de l'Africa la saison dernière. Là, on voit le bon geste défensif. Ah, ils sont deux comme ça, hein, deux joueurs de l'Africa Sport qui ont été... Il est très offensif, ce joueur. Donc, il va apporter beaucoup à cette équipe de la SEC qui joue la récompense ultime, c'est la Coupe. Mais derrière ça, je pense que les deux entraîneurs, c'est de voir à quoi va ressembler leur équipe pour cette année. Allez, Badier. Nakanaba, on aperçoit un peu plus Sissoko par rapport à Nakanaba. Le mauvais ballon de Diarra Souba. Heureusement que derrière, il y a Badier. Il y a beaucoup de... Le dégagement, il est lointain pour essayer de trouver la tête de Comblan. C'est le superbe contrôle de la poitrine avec Opoku. Contrôle. La SEC qui va se relancer avec son milieu de terrain, Diarra Souba Daouda. Mais de la mauvaise des manières, puisque ça va profiter à l'adversaire. Gargon parfait. Priva, les plus titrés du championnat. Autant d'éléments qui font de ce match un match droit. Et Oussalé, Hervé, à la pointe de l'attaque, aux côtés de Comblan. On va peut-être poser la question au coach Fabrice, le coach adjoint de la SEC.